J'allais pas y croire, je me suis disputée avec le bureau de vote. Oui. Non, je voulais juste vous dire que vous inquiétez. Attendez, parce que je vais vous expliquer. Les filles, vous allez pas y croire, je me suis disputée avec le bureau de vote. Oui. Non, je voulais juste vous dire que vous inquiétez. Attendez, parce que je vais vous expliquer. Les filles, vous allez. Enfin, ils me parlent mal et tout, mais enfin, je détenais plus le bureau de vote. Je crois que mais c'est pas, mais c'est pas normal, hein. Ah non, mais il faut que je vous raconte. J'arrive au bureau de vote. Déjà, tout le monde était gentil. J'ai fait des photos avec tout le monde, les filles. Je vous jure, j'ai dû faire une vingtaine de photos avec tout le bureau de vote. Et en fait, le mien, c'était un autre bureau de vote. Et le mec, déjà j'arrive et tout, il me voit, il me reconnaît, il me demande une photo. Il était un peu mahboul, je vous dis la vérité, il était un peu mahboul. Oui ma chérie. Oui. La duchette, elle est magnifique. Hein. Merci, moi aussi, vous êtes trop belle. Écoutez, attendez, et là, donc le mec, il me demande une photo et tout. Et après, il commence. Moi, je savais pas comment faire pour voter, donc il m'explique et tout. Et là, je vais voter, les filles. Et là, j'avais mon téléphone, moi, dans les mains. Mais au moment de voter, j'avais juste mon téléphone dans les mains. J'étais pas en train de me filmer. Et là, il fait scandale. Oh, tu n'as pas le droit de filmer à l'intérieur en train de voter. Du coup, on va porter plainte contre toi. Tu peux pas voter. J'ai dit, hein? Mais voilà les filles, je n'ai pas filmé à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais mon téléphone dans les mains, mais j'ai pas filmé à l'intérieur. Et là, gros scandale. Le deuxième bureau de vote, ils viennent, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Ils me défendent. Et en fait, là, la nana, elle est en train de nous expliquer, elle était trop gentille, qu'en fait, depuis ce matin, tous les gens, ils se plaignent de lui parce qu'il fait que des scandales. En fait, il y en a un, c'est un peu un merboule. Et c'est celui qui m'a demandé la photo. Et en plus, quand tu m'as demandé la photo, les filles, il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, est-ce qu'on peut faire une photo et tout? Non, 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 avec ton téléphone. Et moi, je lui ai dit oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et après, je sais pas, le mec, il a vrillé, mais apparemment, il vrille avec tout le monde. C'est le bureau de vote de l'école de François Masson. Pas le premier, il y en a deux à l'intérieur. Le deuxième, un Mongolien, je vous jure. Et là, il y avait tout le monde autour de moi, tout le monde me défendait. Le deuxième bureau de vote, ils sont disputés avec eux. Et ils m'ont dit qu'en fait, depuis ce matin, ils se disputent avec tout le monde. Ah, je me suis trop énervée. Rentrée toute seule dans l'isoloir. Wallah, que j'ai pas filmé l'isoloir. Je leur ai dit, vous allez regarder ma story. Et j'ai dit, oui, on va faire un procès verbal. Je sais pas ce qu'ils me racontent. Et là, il y a la directrice ou je sais pas quoi du bureau de vote qui nous a expliqué qu'en fait, depuis ce matin, ils cherchaient les embrouilles. Et après, il y a une fille, une arabe comme moi, elle m'a expliqué pourquoi. Et là, j'ai compris. Je peux pas expliquer pourquoi publiquement il a fait ça. Mais je pense que vous allez comprendre. Ah, trop, trop énervée. Je l'ai remis à sa place. Je lui ai dit. Et en plus, je suis arrivée, tu me demandes une photo. Après, tu es là, tu fais des manières alors que j'ai rien fait, tu cherches l'embrouille. Et si j'ai envie de. Oui, mais vous faites des stories. Mais si j'ai envie de faire des stories pour inciter les jeunes à voter, je fais ce que je veux. J'ai quand même le droit. C'est pas interdit par la loi de faire ça. Hein, maman? Mais comment non, il était pas, un monde de. À partir du moment où tu respectes. Tu respectes. Mais le mec, le... il était mahboul déjà. Mais allez voir au bureau de vote de François Masson. Allez voir. Il y a le premier bureau, ils sont trop gentils, c'est des filles, elles sont trop trop gentilles. J'ai parlé avec la directrice et tout, d'ailleurs elle a dit que ça allait remonter plus haut parce que c'était pas normal ce qu'il avait fait. Et le deuxième, des Mongoliens finis à la piste. Et après il me dit quoi? Non mais c'est bon, tu as voté. Je pose le bulletin, il me dit c'est bon, à voter. Il y en avait un qui faisait le gentil, après il faisait le méchant, après il faisait le gentil, après il faisait le méchant. Eh, je les ai remis à sa place. Il m'a dit bon ben à dimanche prochain. Je lui dis, mais j'ai même plus envie d'aller voter chez non, eux. C'est le but. Tu vas voter, tu fais ton devoir de citoyenne, c'est tout. Et si mon vote à cause d'eux, il a servi à rien? Mais pourquoi il a servi à rien? Il se note, non, la dame, elle m'a dit, ouais, c'est mais tiens, tu n'as rien fait de
mal. Tu as respecté ce qu'il fallait respecter. Il a cherché la merde, j'étais choquée, les filles. Il y a des histoires là où il n'y a pas d'histoire à faire. Mais après, la fille, quand elle nous a expliqué pourquoi, on a compris avec ma mère. Je sais pas si on m'a filmé parce que j'ai fait un gros scandale. Hein. Ah, il a trop fait le mac avec moi. Et j'ai pas compris. Oui, en fait, c'était à cause de mes prises de position sur les réseaux. En plus, je suis bien allée voter avec le maillot de la Palestine. Ah, il m'a trop énervée. Calme-toi, l'essentiel c'est que tu sois partie voter et qu'il n'y a pas d'incident. Je me suis levée comme une bonne citoyenne, je suis partie voter, en plus de ça j'ai montré l'exemple qu'il fallait voter. Et le mec, il est là, il me gratte une photo et après, il a commencé à crier comme un fou. Mais c'était un merboule. Je sais que vous regardez toutes mes stories parce que vous me l'avez dit. De toute façon, le fond, bordel sur bordel. Ils m'ont bien fait comprendre. Hein. En tout cas, le premier bureau de vote, les filles, merci pour tout. Elles étaient trop gentilles. Je suis top, les filles. Oh, c'était scandaleux. En fait, il a tout fait pour que je puisse pas voter. Pas de voter, là. Pas filmé. Ben, j'ai bien voté. Il fait trop beau. Regardez ma mère comment elle a maigri. Les filles, c'était une petite bouletosse, hein. Regardez. Elle a pris Owari. Elle veut qu'on aille se mettre dans...